D'accord. C'est quoi ton site? Hein? Yaka. Et c'est là. Et moi qui suis là. Yaka. Okay. Ok, allez, tu sais que je te dégote toujours le petit truc que t'aurais pensé, mais tu l'as pas fait. Bon. On laisse le finir le monsieur, tu vois. Finis sa transaction. En fait, c'est un embout à mettre sur tes tournevis ou visseux. Et il va te faire la démo juste pour toi. Attends, je me déplace. Ah bah non, il va venir. Il va venir. Alors, la démo juste pour toi. J'encaisse la dame et je suis à vous. Ok. C'est bon, t'as ton temps. De toute façon, t'es venu pour ça. Attends, je te donne les références. En attendant, on va gagner du temps. Alors, ça s'appelle Mikaton, ok. Et le site internet, innovationnetwork.com. Ok. Alors, c'est sur le petit ticket. Je vais laisser les références en dessous parce que c'est un tout petit. Hein. On est en direct avec Pascal. C'est pas formidable? Ah, ouais. Alors, en plus, je suis en train de tourner. Mais oui, je sais que t'es en train de tourner. Salut. Ça va bien? C'est qui toi alors? Moi, c'est Seb. C'est toi? Ah, mais ouais. Salut Seb, ça va bien? Ouais. Salut les kids. Bon, attends, je finis avec lui. Vas-y, finis, finis. On va faire les transactions encore. Allez. Alors, c'est simple, hein, c'est un accessoire qui facilite la manœuvre de vissage, ok? Ok. Il va venir s'adapter sur toute forme de tournevis qui existe, tout simplement. Ok. Donc, sur les visseuses, les perceuses, les dévisseuses, mais également sur ces petites clés-là pour les meubles Ikea. Voilà, tout simplement. Donc, on prend un tournevis. Ah, tu fais de la pub pour Ikea en plus? En plus, au passage. Donc, sur le petit truc pour pas que ça tombe. C'est vrai que c'est. C'est vrai que ça casse galère. Voilà, exactement. Quand on doit aller visser en hauteur ou dans un meuble, vous voyez, ça va vraiment pas bouger. Vous voyez, on peut secouer, la vis y est toujours, ça bouge vraiment. Je teste moi-même. On peut faire tomber, tester. Je sens l'arnaque sinon. Allez. C'est bon, c'est validé. Nickel. Alors ça va nous permettre quoi? Dans un premier temps, ça va nous permettre simplement de visser à une seule main sans tenir la vis. Là, comme ceci, on n'a pas besoin de tenir la vis en fait, c'est très simple. Attends, il faut que l'abonné il teste lui-même. Vas-y Seb. Exactement. Allez Seb. Allez, okay. Voilà. Tu me dis si c'est validé ou pas. Est-ce que la caméra voit le. Hein, attends, attends, hop. Voilà. Vas-y Seb, allez. Alors enfin. Faut que... À deux mains ou une main? Une main. Disons. Alors on est sur du bois très dur, hein. Mais malgré ça, tu vas réussir. Ouais, mais c'est parce qu'il a une petite main. Le but, voilà. Le but c'est de ne même pas tenir la vis. Surtout pas tenir la vis. Je suis habitué à la visseuse, moi. Ouais, c'est ça. Ça marche. Et ça tient aussi sur la visseuse. Tout à fait. Ça s'emboîte sur un embout spécial ou. Tout à fait. Alors on a dans le petit Mikaton. Validé? Validé? Pas mal. On a plusieurs tests, quand même. Yes. Faut s'entraîner. Voilà. Et on peut redévisser, ça reste bloqué dessus. Exactement. Alors on dévisse, on revisse, c'est pareil. Là on va mettre un embout dans la visseuse, comme ceci. Nous dans le kit, on vous propose 3 embouts pour l'adapter. Et si vous avez déjà des embouts à la maison, ça s'adapte aussi. Ouais. C'est un produit qui est interchangeable et qui apporte un réel confort. Ah oui, parce qu'en fait ça se glisse sur l'embout, tout simplement. Exactement, tout simplement. Donc là, voilà, on vérifie que la vis soit bien en contact. Voilà, comme ceci. Hop. C'est pour se libérer les mains, quoi. Exactement, on récupère un troisième bras pour bricoler, tout simplement. On dit j'ai pas le même troisième bras, mais on va bricoler quand même. Et là, on va visser. Et vous voyez, ça rentre vraiment facilement. Parce qu'en fait, c'est très simple. L'embout, la visseuse et la vis ne portent plus qu'un coup. C'est comme si la vis était dans la visseuse. Elle était accrochée à la visseuse. Donc il y a un maintien, et pour dévisser, c'est pareil. Quand t'arrives en butée, après. Comment? Quand t'arrives en butée, après, ça s'arrête. Bah, en fait, ça glisse le long du. Voilà. De l'embout. Alors, on a la possibilité. T'as vu, je fais bien la démo aussi. On a la possibilité soit de s'arrêter, soit d'aller en pleine sous la surface sans animer la surface. C'est indiqué juste. Ils ont décidé de mettre la musique au moment où. On peut enfiler une vis sur la surface parce qu'en fait la partie en caoutchouc peut se contracter pour enfoncer. Et du coup en ligne, s'ils trouvent ça sur le site, ça coûte combien? Alors en ligne, ce sera au prix de 23€ avec traitement inclus, d'accord? Ouais. Le kit Mikaton. Et vous livrez où? Partout? En France, à l'étranger? En France, en Europe, donc soit en Belgique, en Espagne, en Suisse. Bah tu vois, parce que j'ai beaucoup de Belges, salut les Belges, qui viennent aussi, d'accord? Je suis belge d'origine. Et ben voilà. Génial. Bon bah sur ce. À tout de suite et merci. On lui dit merci les kits. Dedans, on dit merci. Allez, tchuss.